On se retrouve sur la ville que vous avez vue en vidéo, la vidéo construction. La ville qui a probablement un peu changé depuis la dernière fois que vous l'avez vue, parce que comme certains le savent, j'ai eu plusieurs problèmes d'ordinateur, mais entre temps je pouvais pas filmer, mais j'ai pu jouer. Donc j'ai avancé un peu la ville, donc j'ai fait des petits chemins, ce qui rend un peu plus beau, puis d'autres améliorations peut-être que j'ai oublié de vous dire. Ah oui, il y a aussi ce bâtiment-là. Donc comme j'ai dit, maintenant, ici, ce qu'on va construire à cette place-là, ça va être les marchés, parce que ici, c'est le port où est-ce qu'arrivent les bateaux et tout. Ce que vous voyez là-bas aussi, ça va être un futur bateau. Mais ça, on va le faire en groupe, on va être plusieurs pour faire ça, parce que c'est quand même assez gros à construire un bateau. Donc aujourd'hui, on va faire la place du marché. Il va y avoir des petits magasins, des petits magasins qui font un peu comme les tentes, qui bougent, eux autres qui viennent vendre leurs articles, après ça ils partent. D'autres magasins un peu plus stables, voilà, en bois, tout autour, tout ce terrain-là ici, de là à là à là. Peut-être qu'on va terraformer un peu ça. Non, Ça va être des terraforming magasins. minifiche. Donc, je vous laisse regarder la construction. Donc on se retrouve, j'ai terraformé un peu là, mais surtout je pense que je vais laisser quand même le terrain un peu comme il est. Pour le moment, on verra après quand j'aurai fini de construire. Donc je pense qu'ici on pourrait construire un petit magasin, soit je pense construire un petit magasin stable dans le trou ici, en bois et en pierre, parce que ça va être, je pense, un des plus le magasin le plus riche. Donc là aussi vous allez pouvoir voir, c'est le premier épisode que je fais de cette série, mais je pense que vous allez pouvoir voir un peu comment ça va se passer. En fait, je vais faire les constructions, je vais les faire en accéléré, sauf certains bouts je vais vous parler. Donc ou si jamais je sais vraiment ce que je vais faire, donc là je suis pas exactement sûre de ce que je vais faire. Donc oh, d'accord, le soleil qui se couche d'un coup. Vraiment beau cette texture pack. On va y aller en accéléré, mais après ça je vais avoir un peu à vous parler, donc je ferai ça pour les retouches du bâtiment. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine. Cheap perfume for a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and down the boulevard, their shadows searching. Re tout le monde, donc on se retrouve, j'ai fait à peu près la base du bâtiment. Je trouve ça un peu bizarre, mais je voulais que ça soit un peu comme ça, c'est en bois, avec des espèces de rideaux, donc c'est pas trop mal. Avec les décorations, peut-être que ça va ressortir mieux. Donc déjà, je vais commencer à dire, tout en construisant, je vais commencer à dire ce que je voulais dire. Normalement, les vidéos commencent à reprendre sur la chaîne, parce que pour ceux qui l'avaient pas remarqué, le rythme de vidéo avait un peu diminué à cause des problèmes que j'ai eu avec mon PC, parce que j'ai eu plusieurs problèmes avec lui dernièrement, dont un problème avec Fraps là, maintenant je suis en train de tester ça, parce que au moment où je construis ça la veille, j'étais en train de filmer une vidéo et Fraps a fait complètement crasher mon PC, donc c'est pas normal. Sinon, je tenais à dire merci beaucoup. On est maintenant, j'ai la misère à me concentrer en parlant. On est maintenant 21, à l'heure où est-ce que je filme, à le moment où est-ce que je filme ça,
On est 21 personnes. Vous êtes 21 abonnés. Voilà, je vais y arriver à la chaîne. Donc c'est super cool. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde qui a des abonnés. Hein, voilà. Même si maintenant, de nos jours, c'est plus que 21 abonnés. Mais on s'en fout. Moi, je suis un peu plaisir. Voilà, je m'enrouille dans mes mots. Et voilà, donc ça me fait plaisir. Je suis contente que ça que les vidéos vous plaisent. Puis je tenais aussi à dire merci aux personnes qui venaient de mon blog. Parce qu'avant, il faut savoir que je faisais un blog. J'écrivais des histoires, des fictions sur dans d'autres youtubeurs. Mais j'ai arrêté pour des raisons personnelles. Puis j'ai donc écrit sur mon blog que je faisais une chaîne YouTube et des gens sont venus. Puis je trouve ça super sympathique, on m'a écrit des gentils messages et tout, donc je trouve que c'est vraiment gentil de faire ça, tu sais. Puis voilà, je tenais à remercier à haute voix parce que d'habitude j'écrivais toujours merci, mais j'aime mieux le dire à haute voix que de dire merci. Non, ça va pas le faire par contre. Fait que voilà, donc merci à vous. Puis j'espère que vous allez apprécier les vidéos sur ma chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont là puis qui prennent le temps de mettre des beaux messages. Ça me fait toujours plaisir. Puis ça serait pas mieux d'être dans un endroit par contre. Donc voilà, merci beaucoup. Je me répète, faut que je me pratique à faire du commentary moi. Sinon, qu'est-ce que vous pensez du style? Moi je suis... j'adorerais que vous me donniez des conseils. Par contre oui, c'est sûr que le style il plaît pas à tout le monde, ça je peux ça c'est sûr, mais voilà, faut quand même moi j'ai décidé à un moment donné de me faire mon style, donc ça c'est le mien, mais si jamais vous avez des conseils à me donner ou quoi que ce soit d'autre, ça me ferait super plaisir, je suis prête à les prendre même si donc là c'est ça, là, je fais des étagères un peu pour la construction ici, c'est où est-ce qu'ils achètent. Alors là, on va avoir des coffres. Ah oui, puis les shaders aussi. Je voyais. J'en ai mis. Peut-être à la fin de la vidéo, je montrerai tous les shaders que j'ai. Puis vous me direz celui que vous préférez pour tourner. Moi, j'aime bien lui pour faire les vidéos. Mais si jamais vous en aimez mieux un autre, ça me dérange pas. Parce que c'est vous qui regardez les vidéos. Il faut que ça vous plaise, vous. Hein. Qu'est-ce qu'on va planter comme petite fleur? Ben, moi j'aime bien. Voilà, non, ça fait pas assez désertique, mais je veux pas non plus planter l'arbre mort, quoi. Peut-être ça, voilà, comme ça. Voilà. On dépose ici. Sinon, c'est pas très bien éclairé hein, ici. On en conviendra. Un petit magasin. On va mettre un petit four ici. Parce que quand même hein, le mec qui a un four dans son magasin hein, il est riche. Puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Non, pas une enclume. Ça fait bizarre une enclume. Je pense que c'est pas mal tout. Je trouve ça un peu simple. On va je vais trouver des petites idées puis je vous reprends après. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc, c'est à peu près ça le petit bâtiment. C'est simple, c'est spécial, mais ça, je pense que ça respecte que tout ce qui est spécial. Voilà, on va se le dire. Hein. Voilà, ben, je voulais peut-être construire le reste du marché, mais on fera ça dans une autre vidéo parce que ça commence un peu à s'éterniser. Le bâtiment, ben, il ressemble à ça dans le jour. La nuit, on va voir ce que ça donne. La nuit, ça a l'air un peu de tout ça, éclairé avec le reste de la ville. Donc c'est ça, ici il y aura des petites tentes, je pense pour faire d'autres, peut-être un autre magasin ici bien ancré, mais sinon ça va être des tentes. Donc c'est ça, puis je vous laisse admirer un peu la ville avec les chemins, je trouve que ça fait vraiment plus joli, comme ça. Aussi, voilà. Puis ouais, on va tester aussi les shaders. Nuit et jour, parce que voilà. Donc, premier shader, le rue d'Oplay. Ça donne ça. Moi, personnellement, je trouve qu'il est trop éclatant. Je sais pas si. Attends, on va regarder la jour.
Voilà, bah il est beau, mais c'est selon les goûts personnellement. Il est beau, il est pas bien, mais pas mal de clichés, tu sais, c'est beau un chador personnellement, je trouve, là, ça rajoute un peu de pied. Sinon, autre chador que j'ai, lui, c'est lui que je veux prendre pour les vidéos PVP, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bugs d'ombre avec, comme vous pouvez le voir. Puis il tient, il drop pas, hein, il est pas dur à toffer pour l'ordinateur. Je disais, en PvP, faut pas avoir de lag, là, ça me dérange pas. Mais les jauges chaleur aussi sont pas durs, mais lui il est moins dur. Il est moins détaillé que les jauges chaleur, donc il est moins dur sur l'ordinateur. Et donc, en PvP, si jamais ça drop avec lui, ça risque moins de dropper. Même si je pense pas qu'il y ait de problème. Sinon, l'autre shader, c'est lui, qui lui est extrêmement. Qui est très beau, je trouve, mais qui est très sombre la nuit. C'est lui que vous avez eu pour la première vidéo. Oups, non. J'ai comme une petite hésitation. Voilà, il est beau, mais bug d'ombre, salut quoi. Mais il est très, très réaliste. Puis, le dernier, c'est celui que vous avez eu. Que j'aime, je l'aime beaucoup pour l'eau en fait, les reflets. Si on met la nuit, il y a des reflets d'étoiles dans l'eau, puis il est super beau, je trouve. Avec la ville, je trouve que ça va bien. Donc, c'est lui que je voulais prendre, mais si vous pensez qu'il y en a un s'il y en a un que vous aimez plus, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai s'il y en a plusieurs qui sont pas d'accord, je prendrai celui qui a le plus de votes, puis voilà. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour construire la place du marché. Et d'ici là, ben, il y aura probablement d'autres vidéos, j'imagine. Donc, ben, bonne journée et bonne semaine à vous. Donc, à plus tout le monde.